Eh bien, écoutez, donc on peut dire quand même qu'on a eu chaque fois donc un tirage relativement favorable, dans la mesure où on a rencontré beaucoup d'équipes de district et on est arrivé donc au cinquième tour où là ça devenait quand même un petit peu compliqué dans la mesure où c'était Thionville. Puis on les a abordés de façon sereine et puis on a eu la chance, qu'on peut dire comme ça, la chance de pouvoir remporter ce match-là donc au tir au but. Mais dans le match, moi je pense qu'on méritait quand même. Pour moi, personnellement, je m'en méritais la victoire. Bon, dimanche a été très compliqué dans la mesure quand on arrive pour gagner, pour avoir un septième tour. Le sixième, on l'a rencontré à Manvillers. Et à Manvillers, on savait que c'était la grosse équipe du groupe. Ça faisait un peu plus d'un an qu'ils étaient invaincus. Donc, on a abordé ça de façon sereine. On avait bien préparé le match. Mais dans l'ensemble, je ne dis pas que c'était hyper mérité, mais pas immérité non plus, quoi, la victoire. Ben, le profil de l'équipe, c'est une équipe qui a beaucoup de qualités et qui est très attentive au niveau de l'implication. C'est une équipe composée de bons joueurs et très appliquée. Voilà. Après, on a abordé chaque match avec le respect de l'adversaire, sans jamais prendre personne de haut et on a tout le temps répondu présent, quoi. C'est vrai que ces dernières années, on entend beaucoup parler de Jeuf en coupe, que ce soit en jeunes ou avec les adultes, et on aime bien figurer dans ces compétitions-là. On a vu vraiment un groupe soudé, un amalgame. D'ailleurs, c'est même émouvant. Hein, on peut le dire que quand on voit les cris qui ont été promulgués donc après le match dans les vestiaires, on en gardera toujours un souvenir énorme. Et je crois que donc là, on est vraiment bien parti. Bon, de plus, nous, vous savez, ici, je pense que le président confirmera ce que je pense. On a une A, c'est vrai, mais il n'y a pas que là, quoi. Un club, c'est pas qu'une A. Et on a tous nos jeunes qui évoluent quand même en honneur, ça, il faut quand même le souligner. Et je crois que la base, elle se fait là. Je crois que la politique du club, c'est surtout, donc, bah, moi, je le dis et je le pense réellement, c'est d'avoir des super éducateurs au niveau des jeunes. Parce qu'en entrant un éducateur senior, je trouve qu'il ne sert pas à grand-chose, honnêtement. Ben moi, je le pense. Hein. Et il récolte simplement le fruit de ce qui a été fait auparavant, donc au niveau des gamins. Et puis là, on s'aperçoit quand même que nous, de ce côté-là, on est paré. On a des éducateurs qui s'investissent énormément, qui ont beaucoup de compétences, qui arrivent à créer des groupes, lesquels on a quand même, ça a permis de gravir tous les échelons pour arriver en honneur maintenant. Je crois que, bon, on dit que le plus dur est fait, mais pas du tout. Maintenant, le plus dur est là, qu'on est vraiment dans la période de formation. Et là, je vois tous ceux qu'on incorpore en A, eh bien, et puis il y en a une multitude, et puis il y en a d'autres qui sont appelés à venir rapidement. Je crois que là, honnêtement, on a tout gagné, quoi. Bah écoutez, sa réunion, quand on a le tirage au départ, on regarde, on est un peu déçu dans la mesure où il y avait les Ligue 2 qui rentraient et puis ça aurait été une belle affiche sur Jeuf. Mais qu'avec, après réflexion, on peut dire que moi, personnellement, au niveau des gamins que j'ai dans l'équipe, pas oublier qu'on a des 17, des 19, des 22 ans, moyenne d'âge 23, 24 ans, donc qui est relativement jeune, ils vont apprendre à voir ce que c'est que la CFA. Et puis, il va avoir un impact physique, un impact technique, un bon replacement, chose que nous, on a du mal à faire. Mais là, moi, mon avis, je le prends dans le sens là, c'est que, bon, on sait très bien qu'on a d'infimes chances de passer, on n'est pas fou. Par contre, pour moi, ça va nous faire un bond au niveau de l'équipe phénoménal, surtout au niveau des jeunes. Pour moi, ils vont avoir une marge de progression intéressante. Et ça doit nous servir pour le championnat par la suite. Avec Patrick, on a une symbiose complète. On est vraiment en harmonie complète. On a le même sens du football. On correspond vraiment bien. Et puis, je crois que quand Hervé, je lui ai dit par rapport à mes obligations professionnelles, il fallait absolument donc quelqu'un qui me soutienne. Et je voulais vraiment pas n'importe qui. Et puis, le nom qui me venait tout de suite à l'esprit, c'était Patrick, parce que ça, c'est hyper important. Quand vous êtes serein, que vous travaillez dans la sérénité et que vous avez un adjoint comme Patrick, rien de mieux, quoi. Voilà. Alors Patrick, vous justement, comment vous la vivez cette relation? Ben, moi et Pascal, c'est fusionnel, hein. Je vis depuis maintenant 4 ans, 5 ans. Vous voyez, le temps n'a pas d'importance parce que c'est un bonheur quotidien que de travailler avec Pascal. Être adjoint avec Pascal, c'est pas anecdotique parce qu'il me laisse réellement une place dans l'équipe, hein. J'ai Alors, vraiment c'est très un valorisant rôle. de travailler aux côtés d'une personne aussi. Qui a autant de valeur humaine que je veux dire que footballistique, parce qu'il n'y a pas que le football. Hein. Et là-dessus, il nous apprend chaque jour et c'est un vrai bonheur que de travailler avec lui. Voilà. Ben, bravo à vous et puis au formidable binôme que vous composez et bonne continuation. Merci.